Yo tout le monde, Thunder XL, et aujourd'hui on se retrouve sur l'aventure à la recherche des creepypasta. Donc, comme vous voyez, je ne suis ni chez moi, ni dans une mine nulle part. Ma maison se trouve par là. Elle est pas très loin de toute façon. Et après l'usine à canne à sucre qui fonctionne très bien, on va y aller juste après. Ce qui me manque en ce moment, c'est surtout des minerais. Donc, on va s'amuser à faire une petite query. C'est toujours utile d'en avoir une. Surtout quand on a le mode pour, donc autant en profiter. Donc, on va la faire plus ou moins de cette dimension-ci. Ça devrait aller. Hop. Bien sûr, il faut qu'il y ait un arbre qui va chier. Ça, j'avais pas calculé mon coût pour l'instant. Voilà. Donc, on va avoir une query de cette surface-là. Bon, ça devrait être assez grand quand même. On va enlever cette partie de l'arbre, sinon ça va plus nous emmerder qu'autre chose. Voilà. J'ai été récupérer aussi les derniers tuyaux qui me restaient par là, mais de toute façon j'en avais crafté un petit peu, beaucoup d'ailleurs. Donc, on va commencer par poser notre query. Voilà. Je vais aller récupérer vite fait les torches. De signalisation au cas où je voudrais en créer une. C'est vrai que ça peut toujours être utile une deuxième prairie, mais bon, on va attendre que celle-ci soit épuisée. Comme d'habitude, je fous tout mon bordel à cet endroit. On va commencer par créer on va créer un circuit qui permettra d'avoir 2-3 petites ressources en boucle à l'infini, surtout pour le charbon qui va m'en falloir pas mal. Et on va commencer par ça. Oh merde. Voilà. Et je viens de me rendre compte qu'il me manque encore un tuyau. Comme d'habitude, ça ne changera donc jamais. Merde. Je vais finir par bien le mettre, hein, n'ayez pas peur. C'est habituel. Je vais prendre mes appuis et voilà. Donc ce sera un circuit en boucle qui distribuera du charbon tout le temps. Et bien sûr, il a fallu que j'oublie de quoi extraire les minerais du coffre. Je vais aller vite fait chercher ça. Vu qu'aujourd'hui on a le temps, j'ai rien prévu d'autre que la query. Vous allez voir, on n'est vraiment pas très loin. Je vais vous montrer en attendant aussi les 2-3 petites modifications que j'ai faites à cette usine à canne à sucre. C'est pas grand chose. Et je commence déjà à avoir faim, sans problème. Faudrait que je fasse un élevage de nourriture. Donc voilà, on est chez moi, c'est juste là-bas au fond. Dans le coffre là, je dois avoir laissé des trucs. Ça tombe bien, il m'en reste 6. Les restes, on s'en fout un peu. Et comme je vous dis, donc j'ai fait une production de sucre, une production de papier. Bon, ça, sa production, c'est pas extrêmement rapide, mais on va pas se plaindre. Donc, maintenant, ça devient automatique. Au lever du jour, les moteurs se mettent en route. Tout simplement. C'est pas grand-chose de changer.
Au prochain épisode, on viendra un peu décorer cet endroit. Parce que voir ce truc-là, ça fait un peu moche. Donc on viendra décorer. Maintenant, on va se dépêcher à retourner là-bas. Hop. Le seul truc qui est chiant, c'est pour remonter. Voilà. Nous sommes de nouveau à la quête. J'espère pas faire un épisode trop long comme je fais d'habitude. Ah, c'est un estomac monté sur patte, ce type. Voilà, on va positionner ça comme ça. On ira chercher du charbon par après, pour faire fonctionner la query. Et ensuite, je crois même que j'ai pris beaucoup de trop pour faire ça. On va commencer à positionner les coffres de réception. Ouais, bon, ça c'est pas grave. Ça se déplace. Je m'en chargerai après. Bien sûr. Donc ici, ce sera notre zone de déchargement des objets qui vont être minés par la query. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va décaler ce coffre. Bien sûr, c'est la partie où il y avait tout. Le bordel, bien sûr. Et du charbon, ben, de nouveau, je dois en avoir à ma maison. Oh là là. Après les ellipses, on va s'amuser à faire des allers-retours. Mais c'est le dernier qui je dois faire de toute façon. Après, ce que je vais faire, c'est lancer la query. Et il fallait que je comble le temps, vu que nos afters est assez malade ces temps-ci. Donc de nouveau, assez chaud de faire des vidéos comme on fait d'habitude. En plus, il reste plus grand chose à faire sur Mega Cube. Je n'ai rien là-dedans. Ah ouais, c'est vrai, j'ai encore du fer et de la parite que j'ai été miné la dernière fois. Et du rubis. Et plein des trucs. Il faut aussi que je fasse ça, ouais. Et heureusement que j'y pense, sinon j'allais oublier un élément important que je voulais faire. Bien sûr, je vais crever de faim. Je me demande si j'avais pas laissé de la nourriture dans ce coffre-là. Bon, tant pis. Au pire, je vais manger la vache crue. On s'en fout. Ça rapporte pas beaucoup, mais c'est déjà ça. C'est déjà mieux que de manger du poulet. Nos revs-là. Ah ouais, c'est vrai, on est en 1.10. Les moutons ne drogent pas de nourriture. Qu'est-ce que je voulais faire? Voilà. Ce que je voulais faire, c'est ça et ça. Oui, il manque un coffre ici. Donc, voilà. Comme ça, ça va directement sur ce que je veux faire. Donc, en gros, que je vous explique, quand il va avoir du charbon, il va directement le remettre
soit ici si on a besoin, ou dans allez, dans le coffre s'il y a un surplus. Et maintenant on va lancer la query qui devrait bientôt commencer à travailler vu que le charbon arrive. Voilà. Excusez-moi, il faut que je me mouche. Et la query. Ah d'accord, je me demandais ce qu'elle faisait. Elle est en train de détruire les torches et tous les surplus qu'il y a sur toute la surface de la query. Donc elle est en train de tout détruire avec des méga rayons laser. Je n'ai rien à faire cramer pour l'instant. Et je n'ai pas de nourriture et je suis encore en train de mourir de faim. Bon. C'est la joie comme d'habitude. On va encore mourir de faim. Ouais. Je vais chercher de la nourriture crue de toute façon. Il y a que ça. Non. Ah, c'est une gentille vache ça. Elle aussi. Même si la nourriture est crue, ce n'est pas grave. Ça nous fait déjà à manger. Et la nuit tombe déjà. On va remonter voir où en est la query. Je vais faire sûrement une ellipse. Fallait que j'en fasse une cet épisode. Pour vous. Enfin, pour voir la query quand elle sera construite. Ici elle est déjà en train de se construire, donc c'est un point positif. Donc je fais une ellipse et je vous retrouve juste après pour voir la query qui va commencer à fonctionner. A tout de suite. Re tout le monde, donc voilà. La query est en train de fonctionner. Il y a déjà un poulet qui fait chier d'ailleurs. À prendre ses œufs. Donc elle ne va pas spécialement vite, mais bon, c'est déjà assez pour ce qu'on lui demande. Excusez-moi. Donc ici il me récupère de la boue, et encore de la boue. C'est la joie de récupérer de la boue. Il m'a déjà récupéré un stack. Ouais, ça doit être ça. Donc aussi ce qui me fait rire, c'est que ici il atomise les torches, mais les brins d'herbe, je crois que j'ai rangé ma nourriture ici, voilà. Je m'étais mis à FK. Mais les brins d'herbe, il les a pas explosés. Bon. Je vais clôturer cette vidéo ici parce que à la dernière vidéo, bah, tout simplement, je me suis fait avoir. Il m'a mis plus de 4 heures pour uploader la vidéo. C'était assez long. Ici, je vais sûrement faire tourner la query en boucle, je sais pas, genre pendant toute la nuit. Donc, on se retrouve pour un prochain épisode, j'espère au moins avec Mozarter, vu que ça fait quand même assez longtemps. Et on se retrouve... soit pour un méga cube pour le terminer, ou de nouveau un épisode ici, ou sur les tutos Redstone, je dois en faire un justement. Donc on se retrouve plus tard. Ici cette vidéo, je sais pas quand elle va être uploadée, sûrement dimanche, et on est mercredi. Donc on se retrouve la fois prochaine. Allez, salut!